Merci et je laisse la parole à Victoria Barrigan pour 4 délibérations concernant la petite enfance. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous avons 4 délibérations pour 4 établissements qui, de petite enfance, 4 établissements associatifs. C'est également l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des agents de la petite enfance, de la DFPE, les directrices et de crèche, les auxiliaires de puériculture, etc., sur cette rentrée, puisqu'il y a également une rentrée à la petite enfance. C'est vrai qu'on assure un service public continu de la petite enfance, mais il y a aussi une rentrée qui s'est bien passée, qui s'est bien passée dans le 18e. Aujourd'hui, on a 70 établissements collectifs et associatifs, municipaux et associatifs qui accueillent des enfants. Et concernant la situation sanitaire, on a eu 4 signalements, 4 cas, mais seulement 6 enfants n'ont pas pu être accueillis sur le 18e. Donc c'est quand même une rentrée sous le signe du Covid, mais une rentrée qui s'est bien passée pour nous. Alors, en particulier sur les subventions, sur la DFP 40, il s'agit de l'association Le Dauphin Bleu pour 2 établissements d'accueil de la petite enfance dans le 18e arrondissement, avec 37 places au total. 2 établissements qui se trouvent au 80-83 rue Vauclair, donc au niveau de la porte de Saint-Ouen, et un autre établissement, 34 rue des Cloïs. Une subvention pour un total de 253 417 euros. La DFPE 49, il s'agit d'une subvention à destination de la halte Galderie La Caravelle, qui se trouve à la Goutte d'Or, qui est un établissement qui travaille en particulier pour les familles dont les femmes suivent des cours d'alphabétisation. Donc, elles travaillent activement sur l'insertion des habitants et des habitantes et le développement social. Il s'agit d'une subvention pour un montant de 104 014 euros. La DFPE 66 à destination de l'association La Maison Kangourou. Le total de la subvention est de, au niveau parisien, est de 3 353 195 euros pour ces 17 établissements. Au niveau du 18e, cela concerne l'établissement situé à La Chapelle pour un montant de 206 783 euros et qui accueille 25 enfants. La DFPE 96 à destination de l'association L'Accueil pour tous les enfants, plutôt connue sous le nom de APAT, pour ses 6 établissements au niveau parisien, pour un montant total de 1 289 339 euros. En particulier sur le 18e, cela concerne l'établissement qui est situé 6 rue Pajol, nommé Balou, pour un montant de 166 330 euros, excusez-moi. Et à noter que ces établissements sont accueillent des enfants porteurs de handicap pour un tiers de leur place. Voilà. Aussi, je vous remercie et je vous invite à voter l'ensemble de ces délibérations. Merci beaucoup. À mon tour, je veux saluer les équipes de la DFPE et puis de l'ensemble des crèches, y compris associatives, qui sont quand même adaptées très vite à des circonstances particulières. On aura l'occasion d'y revenir aussi au moment des vœux, avec des difficultés importantes. Et elles ont vraiment fait un énorme travail pour permettre d'accueillir dans de bonnes conditions nos enfants. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix ces délibérations, sauf s'il y a des demandes de prise de parole. Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix la DFPE 40 pour le Dauphin Bleu. Qui est pour ? Unanimité. DFPE 49, même vote. DFPE 66, même vote. DFPE 96, même vote. Je vous en remercie. Et surtout, les bébés du 18e, vous en remercie.